Normalement, avant que tu aies Zamba, ok, ça la moussala, et c'est le cas, et si tu as un fond, tu as une autorisation qui est non, tu as Zamba, Songolo. Et ça peut être un moupaya outi, place moussou, et un mboka. Il faut pas tel son zela maï, autour de maï, la binoire en zela maï, ça va, batel son zela maï. Mais yo outi, si comme souye, quand la moko ta Zamba, ça en sengan zela, tu es à la raté. Lobby, maman, tout le monde a déjà que passe et zoya, mais la nyon sur tout le senga, na gouvernement la biso. À Sunga Biso, Père Ayebi Yango, à tout le temps, tous les Yango, ceux qui sont jeunes, ils sont 4 Zamba, Zamba, ils sont aussi là, ils sont aussi Kima, ils sont migrateurs, ils sont aussi là. Suite à quoi? Suite à passe. Elle semble désormais révolue, cette époque là où les pratiques coutumières locales constituent un véritable bouclier pour les forêts sacrées. Dans ce village situé à environ 150 km de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, les galeries forestières ont été surexploitées jusqu'à leur quasi-disparition pendant les deux dernières décennies. La pression de l'homme s'exerce dangereusement sur toutes ces forêts sacrées que l'on trouve de manière parsemée au sein de certaines communautés villageoises du bassin du Congo. Dans la région de l'ouest du Cameroun, le constat est le même. Vous savez très bien, dans les forêts sacrées, les gens viennent chercher de nos jours du bois. Les gens viennent aujourd'hui faire la chasse. Les gens viennent aujourd'hui pour chercher des plantes médicinales. Les gens viennent également pour leurs rituels traditionnels. Donc, pour ceux qui font la chasse, ils arrivent parfois qu'ils mettent du feu. Qu'ils mettent le feu dans le but de faire apparaître les animaux ou bien les rongeurs afin de les attraper, ce qui cause donc la destruction de cette forêt. Les mesures qui peuvent permettre de pallier à ce problème, c'est surtout la protection, l'air boisé convenablement en délimitant de nouveau, on peut en leur reboisant permettre en sorte que les arbustes qui doivent être programmés pour le reboisement soient du matériel solide qui peut mettre non. Selon des chiffres officiels, la région aurait ainsi perdu près de 70% de ses forêts sacrées pendant les deux dernières décennies. Pour sauver ces espaces qui représentent les derniers bastions forestiers pour certaines régions comme l'ouest du Cameroun, le gouvernement camerounais et ses partenaires, notamment l'ONU Environnement, ont lancé le projet Kobalam. Financé par le Fonds pour l'environnement mondial et mis en œuvre par l'ONG Rainforest Alliance, Kobalam a pour objectif, entre autres, la préservation de la biodiversité des forêts sacrées. L'action de Rainforest Alliance, c'est d'identifier quelles sont les menaces de ces forêts sacrées et les accompagner dans l'implémentation des actions pour bonifier et préserver ces forêts sacrées. Donc il serait difficile pour moi de vous donner le secret de préservation de ces forêts sacrées, ça viendra des chefs supérieurs eux-mêmes. Déjà, les chefs supérieurs ont prôné pour
de faire un état des lieux, de faire un état des lieux pour comprendre quelle est la situation exacte de chaque forêt sacrée et les problématiques que rencontre cette forêt sacrée. Et justement, cet état des lieux va donc permettre de définir les activités concrètes que nous pourrons implémenter avec eux. Mais déjà aussi, ils ont parlé des délimitations. Donc, il y a un problème des limites de ces forêts sacrées. Et cette suggestion de faire une cartographie participative pour la délimitation de cette cité est cruciale pour l'avancement de la préservation de ces zones sacrées. Il faut cependant noter que certains chefs traditionnels ne regardent pas toujours d'un bon œil l'offre d'aide apportée par le gouvernement à travers ses partenaires. Les forêts sacrées n'ont pas que des rôles sociaux ou écologiques. Leur caractère sacré, théâtre de rituels ancestraux et refuge pour totems, vient parfois brouiller les efforts de collaboration entre autorités traditionnelles et émissaires de l'État.